salut, joyeux Noël, Merry Christmas, mais il n'est jamais trop tard, hein. J'ai fait cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai vu un truc qui m'a choqué hier. Je ne sais pas ce qu'est danseur de Mapoka qui est venu se mettre sur la tombe de moi, mon enfant. Mon enfant, mon ange Didier, père son âme, que j'ai eu dans un mariage avec monsieur Wampierre. Hein? Et en plus, je ne sais pas. Il vient, il balaie avec un vilain saut. Mais attends, la tombe d'Arafat, ce n'est pas un terrain de football. Et je ne comprends pas où étaient les autorités pour qu'ils puissent dépasser les autorités pour venir avec un seau et puis se mettre sur la tombe de mon enfant. La seule personne apte à laver, balayer la tombe de mon ange Didier, qui est resté 9 mois dans mon ventre, c'est moi, Lokbo Valentine. Il a sa soeur, Marie-Emmanuelle. Il a sa soeur, Carla. Il a ses frères. Mais je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Vous cherchez Buzz? Quand on l'a profané là, tu aimes trop Arafat là, pourquoi tu n'es pas venu te battre avec ceux qui ont profané la tombe d'Arafat? Ou bien quand tu as venu faire ça, c'est pourquoi on profane encore deuxième fois sa tombe? J'interpelle les autorités. Je ne veux plus de ça. Je suis propriétaire de mon enfant. La douleur que je ressens là, ça m'a rendu triste. Je ne veux pas qu'on me provoque. On appelle ça la provocation. Quand quelqu'un est enterré, on ne va pas jouer sur sa tombe. C'est son intimité. La première profanation, je n'ai rien dit, pas parce que je suis contente. Je ne dis rien, mais je laisse tout à Dieu. Je ne veux plus voir les fesses de quelqu'un sur la tombe de mon fils. Je ne veux plus voir les narines de quelqu'un sur la tombe de mon fils. J'ai interpellé qui de droit hier. Je l'ai appelé pour lui dire, il y a un individu, et puis se faire filmer. C'est sur la tombe d'Arafat, tu as cherché Buzz. C'est ton camarade. Tu as vu le saut qu'il a emmené. Mais tu es malade. Quel mère qui peut accepter ça? Personne ne peut accepter ça. De grâce, pardonnez. Laissez-moi finir mon année dans le calme, dans la paix et dans la joie. Mon fils, là, 2020, l'a pas trouvé. Le jour où j'aurais besoin d'une société cleaning pour nettoyer, et balayer, et puis sa tombe est en marbre. Tout ça pour venir faire pour dada. Hein? Après, quand je fais vidéo, ça me dit, elle parle trop. Demain, toi, tu vas venir balayer. Demain, maintenant, ça peut venir faire autre chose. C'est pour pousser les gens encore à faire des bêtises. Je ne veux pas voir des gens qui n'ont rien à voir avec la famille. Les mères des enfants peuvent venir. Moi, ses enfants, point barre. Michael Jackson, vous avez vu quelqu'un aller prendre au mot pour aller laver sa tombe? Vous avez vu, et comment on appelle ça? Ouais, la richesse, quelqu'un est allé laver sa tombe. Attends, arrêtez un peu, respectez les gens. Il n'est pas parenté à vous. Et tu es là, tu fais une vidéo, mais c'est atteinte à la haine. Va, tu vas balayer la tombe de tes ancêtres là. Hein? Tu es de ma famille, moi. Hein? Donc, ce que je vais vous dire, avant que je pète un câble, je ne veux plus voir quelqu'un au cimetière là-bas en train d'aller déranger mon pauvre enfant qui se retrouve seul là-bas. Ce n'est pas votre parent. Hein? Il n'est plus là. Laissez-le reposer en paix. En bon entendeur, salut. La mère de la Chine, Tina Glamour, maman de DJ Arafat, mon ange Didier. Bisous.